Hey, salut, c'est Antoine. Bon, aujourd'hui, une vidéo consacrée à Pokémon Go, car oui, le jeu est enfin sorti en Corée du Sud. Alors, c'était la folie en France, c'était la folie aux États-Unis, et maintenant, c'est la folie en Corée du Sud. Les gens sont complètement accros, c'est incroyable. Donc là, on est venu dans un parc à côté de chez moi, il y a plein de monde qui joue déjà, malgré le moins 10 et la pollution. D'ailleurs, les masques sont de sortie, hein, parce que la pollution est super forte en ce moment. Donc le timing, parfait, bien joué les gars. Pollution plus froid, super. Enfin voilà, donc les Coréens, ils sont à fond dessus. C'est vrai qu'à la base ils sont à fond dans les jeux vidéo, ils sont à fond sur les jeux vidéo PC, hein, StarCraft, Overwatch, tout ça. Mais ils sont aussi à fond sur les jeux mobiles, ils n'arrêtent pas toute la journée, jeux mobiles. Clash of Clans, tout ça, ils n'arrêtent pas. Donc là Pokémon Go, forcément, c'est la folie pure. Tous les étudiants, ils sont à fond dessus, il y a des pubs à la télé pour ça et tout. Et même les mecs, dans ma zone industrielle, là où je travaille, à midi, tout le monde est dehors en train de jouer à Pokémon Go. C'est vraiment marrant à voir, quoi. Donc moi aussi je me suis mis un petit peu de Pokémon, je suis pas vraiment un grand fan à la base, c'est vrai que c'est quand même sympa, mais bon, je suis pas un très très grand fan, donc je joue... Voilà, aléatoirement on va dire. Voilà, quand même on profite du week-end, on est venu sortir, sorti avec ma femme, là, elle a vraiment la fond dedans, elle arrête pas de jouer, elle joue avec ses étudiants d'ailleurs, donc vu qu'elle est prof d'anglais, elle a tous ses étudiants qui jouent avec elle. C'est assez marrant à voir. Alors, voilà, on va faire un petit tour dans le parc, on va se balader, choper quelques Pokémon et puis on va voir ce qui se passe. Chasser les Pokémon, ça a quand même bien ouvert l'appétit. Alors du coup on s'est arrêté dans un restaurant chinois là juste derrière. Et donc ce restaurant pendant 4 ans je suis passé devant tous les jours. Et tous les jours je me disais ah commencez, ça doit être pas mal, il y a du monde qui vient et tout. Et finalement enfin 4 ans après je me suis arrêté pour manger là. Et donc on a mangé des jajangmyeon. C'est des nouilles dans de la sauce soja noire, vraiment bien noire. Et également un jampong qui est une soupe épicée. Des nouilles pareil, une soupe épicée aux fruits de mer. Donc restaurant chinois très très bon. Ah oui, aussi on a mangé du tang suyuk. C'est de la viande de porc frite et trempée dans de la sauce, mélangée dans la sauce sucrée avec des légumes frais découpés. Vraiment super bon ici. Voilà, après un bon repas, on est venu faire un tour à la mairie de Daejeon. Donc à la mairie, il y a un parc immense juste derrière. La mairie qui est derrière juste là, hein, c'est un grand bâtiment. Et le parc, il y a plein de Pokéstop et du coup c'est blindé de monde. J'ai jamais vu autant de monde dans ce parc, même quand il y a un festival. J'espère m'en avoir des gamins, des adultes, tout le monde court partout pour choper les Pokémon. Donc voilà, on va en profiter aussi, on va y choper quelques Pokémon. Alors à savoir que il y a aussi pas mal d'arènes là de combat par là. Donc moi je suis plutôt un Pokémaster pacifique, j'ai pas envie de me battre. Juste l'intérêt pour moi c'est de collecter tous les Pokémon, avoir un Pokédex rempli, c'est ça pour moi le seul intérêt du jeu. J'ai pas envie de me battre, je suis pacifiste. Et aussi ce qu'il y a de marrant à voir, c'est qu'il y a des mecs, ils ont repéré le bon filon. Ils sont venus avec leur camion là, ils sont venus vendre de la bouffe et du café, tout ça, à tous les gens qui jouent à Pokémon Go. Ils ont bien vu qu'ici, il y avait un regroupement de population incroyable. Bon, il n'y a pas non plus des centaines de milliers de personnes, mais il y a des centaines de personnes au moins qui sont venues ici pour jouer à Pokémon Go. Voilà, c'est assez marrant. Et donc voilà, donc je vais finir ma vidéo là-dessus. Et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Pod. Le professionnel de Pokémon Go. La classe.